Bonjour, je suis Chérine du studio Kiné Pilates et aujourd'hui je vais vous montrer avec une petite balle de picot comment vous libérer des tensions cou et épaules. Et on va commencer à l'utiliser sur la main. Vous allez vous rouler ici la paume de la main, les doigts en mouvement circulaire ou juste en avant et en arrière. Ça va nous permettre après de longues heures sur l'ordinateur de détendre cette partie-là. Vous pouvez aussi aller en même temps ouvrir la paume de main. On va aller sur l'avant du bras, le poignet, l'avant du poignet. Petit mouvement circulaire avec une pression quand même, pas trop forte. Pas besoin de sentir quelque chose de dur et trop tendu, mais juste un point où vous sentez que vous massez. Je vous conseille de respirer pendant ce moment-là. Vous pouvez aller aussi sous le bras. Puis au niveau de l'épaule, un petit peu plus haut, on va y aller sur les trapèzes supérieurs qui sont souvent extrêmement tendus. Les trapèzes supérieurs ici sont une des raisons que notre position avec les épaules qui sont remontées. Donc là, on va bien les masser, c'est un peu comme si on attendrissait la viande. Respirez. On va aller chercher ici les muscles du cou, sternocléido-mastoïdien, très tendu aussi, et aussi scalène, très tendu aussi. Donc n'hésitez pas à y rester un petit moment, de bien respirer, de laisser votre bouche s'ouvrir. Puis on va y aller aussi derrière l'oreille. En avant ici, au niveau du pectoral. On va aller bien masser le pectoral de la poitrine jusqu'à la tête humérale ici, en repassant comme si on invitait tout simplement le muscle à se libérer au niveau des tensions. Donc parfait pour d'après une longue journée devant l'ordinateur ou à travailler dans cette position. Je pense justement aux massothérapeutes qui sont souvent en flexion et vers le client. Vous pouvez aussi aller chercher votre cou en arrière, au niveau vraiment de la base du crâne jusqu'au niveau du cou ici. Je vous conseille de rester toujours sur le même côté. On est toujours, soit vous avez choisi la gauche, soit vous avez choisi la droite, mais restez sur le même côté. Aller chercher aussi de l'oreille jusqu'au centre de la tête, de l'oreille jusqu'au centre de la tête. On va aller aussi masser la tête. Très bon pour les gens qui ont beaucoup de migraines. Se masser ici est important parce qu'on a un tissu qui a beaucoup de récepteurs. Et on pense rarement à aller masser le sommet de son crâne, mais ça va être bien libérateur. Toujours pareil au niveau de l'oreille aussi. Bien agréable. Respirez, vous pouvez même fermer les yeux, vous détendre. Prenez ce petit temps. Et un dernier point que je trouve très utile, c'est au niveau de la mâchoire. Nombreuses sont les personnes qui maintenant serrent des dents, que ce soit pendant la journée ou que ce soit pendant la nuit. Alors cet endroit-là est souvent extrêmement tendu au niveau de la mâchoire. Si la balle picot est trop violente ou que vous n'avez pas envie d'avoir le contact avec du plastique, vous pouvez aussi utiliser votre poing. J'apprécie parfois plus le poing. C'est aussi le contact de ma propre main, je sens mieux la pression. Voilà, donc pareil, bien à l'intérieur, bien sur le côté au niveau de la mâchoire. Et je vous invite tout simplement à relâcher vos bras, fermez les yeux quelques instants. Respirez profondément. Vous devriez sentir une belle différence entre le côté que vous avez fait et celui qui ne demande qu'à être fait. Alors je vous laisse repasser la vidéo pour faire l'autre côté. À bientôt sur kinépilates.com.